Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère que cette semaine s'est bien passée, j'espère que ça a été un petit peu moins houleux que les jours qui ont précédé ou suivi cette pleine lune qui, je l'avoue, était quand même super puissante. On va regarder de suite les énergies qui peuvent tomber pour certains d'entre nous aujourd'hui et on va voir ce qu'on peut en tirer. Oh, aïe 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 aïe, on est déçus. Oui, il est question d'une déception. Il est question d'une déception. Alors, soit on a mis quelqu'un de côté sur un malentendu, sur ce qui apparaît comme un malentendu ou en tout cas une discorde qui pourrait facilement trouver une solution avec douceur, avec prudence, avec, voilà, avec patience, avec modération. Soit c'est nous qui avons été mis de côté et on le sent comme une injustice suprême. Mais on essaye de réparer les choses, j'ai l'impression. On essaye de réparer les choses. Il y a une notion de déception, mais en même temps, on a aussi la notion de récupération de confiance. Alors, on fait des efforts, soit pour que l'autre puisse avoir le droit de faire en sorte de récupérer notre confiance, soit ça vient de nous. Soit ça vient de nous, on essaie de se racheter, mais on a été extrêmement déçus. Alors, pour moi, on a été extrêmement déçus par quelqu'un qu'on a pris presque comme un modèle, ou en tout cas, qui nous a beaucoup inspiré pendant longtemps. Pendant longtemps. Et du coup, il y a plein de non-dits, il y a plein de... Ces déceptions, en fait, entraînent beaucoup de non-dits et voire même pour certains, beaucoup d'angoisse. Parce que finalement, on se sent invisible. On se sent invisible, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas considéré à notre juste valeur, ou c'est nous qui faisons cette erreur, en fait. On fait cette erreur parce qu'on a peur. Il y a une notion de peur. Soit c'est nous qui la faisons, soit c'est quelqu'un d'autre, mais on est dans la notion de peur et de prudence. De toute façon, il est question d'un changement, mais un changement qui met du temps à venir parce qu'on est borné. Soit c'est nous, soit c'est la personne en face de nous. Il est question de tempérament relativement têtu. Mais on est tellement déçu, en fait, qu'on se replie sur soi et puis on reste sur nos convictions personnelles, sur nos propres petites conclusions. Et on nous parle de mystère divin quand même. Hein. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement. Là, effectivement, on est quand même un petit peu éparpillé, un petit peu déséquilibré. On nous appelle à nous réaligner et à nous recentrer un peu sur une vision un peu plus objective de ce qui se passe autour de nous, une vision un petit peu plus reculée, avec de la hauteur, et puis surtout avec un peu plus de tolérance et de bienveillance. On nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oubliez. Alors, cette déception, de toute façon, apparaît pour certains comme l'opportunité, entre guillemets, de construire son propre raisonnement, de commencer à réfléchir par soi-même et aussi à agir par soi-même. Parce que là, il est question de dépendance pas tant affective que humaine, en ce sens que j'ai l'impression qu'en fait, là, en face de nous, on a une personne à qui on a énormément demandé conseil, à qui on a énormément demandé un avis, et on s'est quand même beaucoup adapté à ses avis, à ses humeurs, à ses ambitions, voilà, on s'est un peu investi. Là, on a quand même envie de penser à nous. De toute façon, on pense à une évolution pérenne, une évolution sereine, quelque chose sur le long terme. Là, les cartes nous disent, de toute façon, si tu veux évoluer, essaye déjà d'évoluer de ton côté, de façon individuelle, hein, puisque tu as une identité, tu as une individualité, tu as un chemin à parcourir pour toi et par toi-même. Hein. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à ta place, puisque cette personne doit déjà le faire pour elle-même, si elle en a envie déjà. On nous parle d'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste,
Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Effectivement, pour certains d'entre nous, on sort de la zone de confort et on a presque l'impression de perdre quelqu'un qui a été extrêmement important pour nous, qui a été un repère qu'on pensait presque immuable tellement on s'appuyait dessus. Les choses bougent, les énergies bougent, c'est tout à fait normal. C'est stressant, mais là, on nous encourage à accueillir ce changement et surtout à commencer à nager dans le sens du courant. Ça fait peur, certes, mais on n'est pas tout à fait... On n'est pas tout à fait... Comment je peux dire ça comme ça? Comment je peux dire ça? On n'est pas tout à fait conscient encore de nous-mêmes. Vous voyez? On n'est pas encore tout à fait conscient de notre potentiel. Parce que là, on s'est quand même... Dans ce tirage-là, on s'est quand même beaucoup appuyé sur quelqu'un. Il y a une différence d'âge aussi. Il y a un décalage d'âge qui apparaît, qui appelle à de la prudence, puisque une réconciliation est possible. En mots-clés, on a quand même l'amitié, mais il est question d'équilibre, hein, d'équilibre personnel, il est question de rééquilibrage des forces et des énergies pour pouvoir avancer plus sainement et pouvoir poser des projets de façon un petit peu plus concrète et un peu plus logique et pertinente pour nous-mêmes. Déjà pour nous-mêmes en premier lieu. Mégazelle, pour cette capsule, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end. N'oubliez pas la notion de pardon qui est toujours possible. Le pardon à soi-même et le pardon à l'autre. Au sens universel du terme, au sens vraiment très très large du terme. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Je pense à vous et je vous dis à la semaine prochaine.